Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express. Avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, Isabelle Saya Bodis, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes éditrice, vous dirigez Orient Édition qui publie notamment Dans le sens du poil arabe de Maha Al-Saati et Lily Valette, et puis Dalida en Égypte de Jacqueline Jondot. Avec nous en direct d'Alger, le cinéaste Karim Moussaoui. Merci d'être avec nous. Vous participez à l'œuvre collective Celle qui chante, avec Julie Deliquet notamment, Sergei Loznitsa et Jafar Panahi. Et puis tout à l'heure, Julien Cohen Lacassagne, historien, sera avec nous pour son livre Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord. C'est aux éditions La Fabrique. On commence avec vous, Isabelle Saya Bodis, très belle maison d'édition que l'on fait découvrir aujourd'hui à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Orient Édition, avant de parler de ces deux ouvrages que je viens de citer, peut-être d'abord l'ambition de votre maison d'édition, quelle est-elle ? L'ambition, c'est de montrer ce qu'on montre pas souvent, c'est-à-dire tout ce qui vient, tout ce qui est positif et tout le bon qui vient de l'Orient et que l'Occident s'est approprié. Et c'est aussi de me présenter les fondamentaux. Khalil Awadinna, qui a été à l'origine de l'inspiration de La Fontaine, des caricaturistes tunisiens. Cette collection-là dont nous allons parler, qui s'appelle Icônes, et qui présente des objets ou des personnages qui font partie de notre vie, mais qui viennent d'Orient. Tisser des ponts aussi entre les rives de la Méditerranée pour mieux briser les préjugés, c'est... Tout à fait. Tout à fait, rapprocher, voir qu'on est pareil et que les choses sont plus imbriquées que ce qu'on peut le dire. Donc Dalida, ça coulait de source. Ah oui, Dalida, ça coulait les sources, évidemment. Là, ce qui nous a intéressé, Jacqueline Jondot, qui est une passionnée d'Égypte et de Dalida, a voulu montrer combien l'Égypte avait façonné cette star internationale qu'on rattache pas toujours à l'Égypte, et combien ses forces et ses faiblesses aussi venaient de là. Alors on a pris un parti, c'est de faire ce livre en quatre langues, parce que Dalida a entendu quatre langues dans son enfance en Égypte, qui était un pays cosmopolite, donc l'italien, l'anglais, l'arabe et le français. Et donc son frère Orlando, qui nous a beaucoup aidés, nous a dit combien déjà les langues et l'oreille avaient été façonnées par ce pays. Et de Jacqueline Jondot, qui, vous l'avez cité, universitaire, passionnée de la langue arabe et de Dalida, elle est allée plusieurs fois en Égypte. Je vais justement laisser la place à la musique avec Salma Ya Salama. Kalsoum était considérée comme la quatrième pyramide d'Égypte. Dalida, elle, on l'apprend dans ce magnifique ouvrage, il y a des archives inédites, on apprend qu'elle avait un autre surnom, la deuxième Cléopâtre. Comment a travaillé Jacqueline Jondot? C'est un tout petit ouvrage, il y a beaucoup de photos, beaucoup de textes, on traverse les époques, on traverse l'histoire. C'est une sommité, ce petit livre. On suit sa vie. Jacqueline Jondot a été très souvent en Égypte, donc elle a retrouvé sa maison où Dalida est revenue, qui est habitée maintenant. Y a une plaque pour dire qu'elle a vécu là. C'est à Choubra, donc dans le quartier chrétien. Et on a travaillé aussi beaucoup, Jacqueline Jondot a travaillé aussi beaucoup avec les archives d'Orlando et Orlando, son frère, qui vit à Paris et qui l'a beaucoup aidé. Alors, elle a cherché évidemment tout son parcours. Dalida a commencé en faisant du cinéma, en gagnant un prix de beauté. Et évidemment, le destin, comme dans toutes les stars, s'est occupé d'elle et un producteur l'a ramenée à Paris. Mais toute sa base, toute son enfance était égyptienne et elle a toujours rendu à l'Égypte ce qu'elle lui avait donné. Alors je disais la deuxième Cléopâtre, vous, si vous deviez nous citer une anecdote que l'on apprend dans ce livre, un épisode de sa vie qu'on ne connaît peut-être pas forcément en France, en Italie ou... Par exemple, là, la chanson que vous venez de passer, c'est une chanson, on dit que quand Anwar el-Sadat a été en Israël, c'était au son de Salama Ya Salama. Pour la paix. Pour la paix. Pour la paix. Khalwa al-Baladi, c'était le chant qui retentissait place Tahrir
pendant la révolution égyptienne. Là, c'est donc, le patriotisme. Donc, ça veut dire qu'elle existe, qu'elle est à la fois une vedette, une star, mais aussi que son champ peut être considéré comme assez politique et qu'elle existe toujours aujourd'hui en Égypte et en France. Autre livre, autre registre, cette fois on est plus sur une thématique dans le sens du poil arabe. Bon, allez, c'est un peu facile, mais je vais me permettre le jeu de mots. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau de cet ouvrage? Alors c'est une jeune auteure qui s'appelle Lily Valette, qui a 22 ans, qui est à Sciences Po, qui veut devenir éditrice. Ouais. Et on avait repéré le film d'une saoudienne, Maha Al-Sati, qui avait décrit combien le poil pour les hommes et le non-poil pour les femmes restait un genre de dictature. Et donc Lini a fait un petit livre d'anthropologie pour raconter combien en islam les histoires de poil étaient très codifiées et combien l'Occident avait récupéré ces histoires-là avec des sens un peu contradictoires. Ouais. On apprend que l'épilation existe bien avant l'écriture. Bien sûr, bien sûr. On dit que l'épilation, on remonte, la jolie légende l'a fait remonter à Salomon, ouais, qui aurait inventé l'épilation pour Bilkis, qui avait des poils aux jambes. Ouais. Alors on peut lire notamment, c'est un moyen, l'épilation, de classer les filles et les femmes. Le corps d'une femme sans poils s'apparente à celui d'une petite fille. C'est donc une règle infantilisante qui permet aux hommes d'imposer leur protection. Le but aussi de ce livre, c'était de resituer un peu, de recontextualiser comment le corps de la femme, au fond, a toujours été utilisé, peut-être. Oui, alors c'est très encore plus sensible aujourd'hui avec des mouvements féministes qui demandent un retour au poil. Mais c'est vrai qu'en Orient, le poil est interdit, banni. Chez les femmes. Alors, est-ce que... Il peut y avoir ce côté d'infantilisation, ouais, évidemment, mais qui touchait beaucoup une fille de 22 ans qui trouvait que c'était des règles trop strictes. Ouais. Alors, chez les hommes, c'est au contraire, et pas seulement au Maghreb, au Moyen-Orient, dans le monde, un signe de virilité. Il y a notamment la moustache. Comment est-elle devenue le symbole des autocrates et de ceux que l'on qualifie parfois de dictateurs? Alors, en fait, bien plus largement que ça. C'est-à-dire qu'elle s'est amusée à faire un petit diaporama des chefs d'État arabes qui sont tous moustachus. Mais c'est bien plus établi que ça. C'est un signe de virilité, c'est un signe de séduction. Il y a de nombreux proverbes autour. Enfin, la moustache et la barbe sont toujours omniprésents. Là-bas, pour des signes donc de virilité, alors qu'ici, on pourrait dire pour des signes de paresse, quoi. Ouais. La barbe de 4 jours ici ou de 3 jours. On l'a vu pendant le confinement, notamment. On l'a vu pendant le confinement. Ça n'a pas du tout les mêmes significations. Et dernière question peut-être pour finir, quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit? Il y a déjà, on les voit sur ce plateau, sur TV5 Monde, de nombreux ouvrages. De lancer une autre collection, peut-être une autre thématique qui vous paraîtrait pertinente en 2020, quelle serait-elle? Non, j'en ai pas mal déjà. Il y a des romans, il y a des essais, il y a cette collection d'icônes. Non, si vous avez... Et quels sont les retours? Si on a des idées, on vous les donnera. Quels sont les retours que vous avez? Est-ce qu'on sent vraiment que, notamment en France, dans le monde francophone, il y avait un besoin d'avoir ces... Moi, je pense que c'est important de dire aux gens, de montrer aux gens ce qui les unit. Et de montrer que l'Orient et l'Occident, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de guerre si on apprend l'autre. Quoi. Pas de choc des civilisations. Non. Merci beaucoup Isabelle Saya Moussa Bodis d'être venue avec nous. Merci Karim Moussaoui, c'est maintenant justement, j'avais déjà la tête allée. Merci beaucoup Merci Isabelle. Karim, celle qui chante, hein, ça devait être présenté cette année en sélection officielle au Festival de Cannes. Alors 4 cinéastes, on l'a dit, dont vous faites partie. Peut-être d'abord un mot sur le projet global. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer au fond? Au départ, bonjour, merci de m'avoir invité à l'émission. Au départ, j'ai été sollicité par Philippe Martin, qui est le producteur,
et qui m'a proposé de réfléchir sur cette thématique de l'opéra. J'avais déjà vu quelques films réalisés dans le cadre de la troisième scène, série de courts-métrages produits par l'Opéra Garnier de Paris. Voilà, donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Surtout que à ce moment-là, nous venons à Alger d'avoir un opéra flambant neuf offert par la Chine, et je me suis posé la question de l'utilité ou la nécessité de ce bâtiment, puisque l'Algérie n'est pas un pays qui a une tradition de production d'opéra. Et à partir de là, donc voilà, c'est Un beau j'ai projet qui est parti en tout cas. Alors on voyage beaucoup, hein, Karim Moussaoui, d'un village iranien au palais Garnier, vous l'avez dit, d'un hôpital de ville juif au sud de l'Algérie. On a toutes ces voix qui s'élèvent. On va regarder sans plus attendre la bande-annonce et après on parlera de votre court-métrage. Non, Ça raconte quoi les chants généralement? Ça raconte quoi? Ça raconte la vie, l'amour, la religion. ازش خواستم که برای من یه آوای یه صدایی بیاد، دیدم که صداش خیلی زیباست، خیلی عالیه، محشر، یعنی یه سوپرانو خالص. Des femmes qui chantent dans les grottes. Ouais. Jamais entendu parler. Je connais pas. Voilà, celle qui chante avec quatre réalisateurs, réalisatrices, Julie Deliquet, Sergueï Loznitsa, Jafar Panahou et donc Karim Moussaoui, vous êtes avec nous. Alors vous êtes parti dans le désert algérien à la recherche des mystérieuses divas du Tagarabt, comme on dit. Comment est-ce que est née l'idée de cette histoire? C'est tout simple, en fait, j'ai une... En posant la question de qu'est-ce qui pourrait être... C'est quoi l'opéra pour nous ici en Algérie? Avec une amie, on a abordé le film d'Assia Djebbar, qui a mis en scène dans son film La Nouba des femmes du Mont Chenois, un groupe de femmes qui chantent dans des grottes. Et puis, ça m'a, au fil de la discussion, nous sommes partis dans un Timimoun avec ces femmes qui chantent. Et elle m'a parlé, cette amie-là m'a parlé de femmes qui chantaient dans des grottes. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça l'opéra, en fait, à la base, puisqu'on a une grotte, donc des parois pour la résonance. Ces chants-là du Sud racontent, comme c'est dit dans le film, hein, on parle de la vie, de l'amour, de la religion. Voilà. Et c'est ça, pour moi, un peu, c'était pour moi ça l'essence de l'opéra ici. Donc je suis allé filmer. Je suis d'abord allé chercher des femmes qui chantent dans des grottes. Oui, alors on ne dira pas si à la fin on les trouve belles et bien ou pas. On laisse les téléspectatrices et téléspectateurs aller voir votre film donc. Alors beaucoup de cinéastes, on le sait, hein, Karim Moussaoui, ont soutenu, ont été solidaires en tout cas du mouvement de contestation pacifique en Algérie. Le Hirak, est-ce que vous pensez que ce mouvement peut se relever de la crise actuelle du coronavirus? Oui, il peut se relever, bien sûr. C'est un mouvement qui est d'abord qui est très complexe. Il y a différents courants qui le traversent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il est animé par une seule volonté, c'est d'aller vraiment vers un état de droit avec un changement pacifique du système. Ce n'est pas fini, c'est-à-dire que on est loin de... Je ne sais pas si le mouvement va revenir ou pas, de quelle manière il va revenir, mais Mais ce ces idées qui... n'ont pas disparaître. Non, bien sûr que non. C'est ancré dans l'esprit des gens. Je pense que, en tout cas, au moins ce mouvement, il a réussi à accoucher de plein d'idées nouvelles, en tout cas, et de se rendre compte un peu des contradictions qui existent au sein de la société, des différences, et de s'accepter tel qu'on est. Je pense que c'est un début
important et encourageant pour l'avenir de l'Algérie. Restez avec nous, Karim Moussaoui. Julien Cohen-Lacassagne nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, préface de l'historien israélien Shlomo Sand, édition La Fabrique. Tiens, peut-être d'abord pour commencer, puisque vous enseignez l'histoire-géographie au lycée Alexandre Dumas d'Alger, oui. Vous avez bien entendu vécu ces manifestations du mardi pour les étudiants, du vendredi pour l'ensemble des Algériens. Il y a cette crise du coronavirus. Comment est-ce que vous avez vécu ces événements en Algérie ? Moi, je les ai vécus quand même à distance, hein, évidemment. Alors, à distance, pas géographique, puisque à l'époque, je vivais à Alger-Centre, donc j'assistais comme témoin, en ouvrant ma fenêtre, à ce qui se passait. Effectivement, c'était très impressionnant à la fois d'ampleur et puis de discipline aussi. Hein, oui, effectivement, c'était tout à fait frappant de voir un mouvement... pacifique et d'une telle ampleur, effectivement. Vous êtes professeur, donc je le disais, d'histoire-géographie. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à revenir sur cette question berbère-juif, qui est plutôt méconnue dans l'imaginaire collectif? Oui. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, le point de départ, alors évidemment, il y a des explications multiples sur les raisons du livre. Il y a des raisons qui sont des raisons intimes, personnelles. Je suis en partie issu d'une famille juive d'Algérie, hein, de par ma maman, exactement. Mmh. Donc, il y avait, une curiosité autour de ça. J'avais grandi en partie au Maroc aussi. Mais je n'étais pas du tout dans une recherche identitaire, généalogique, toutes ces choses-là m'ennuyaient prodigieusement. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était de poser l'énigme de l'origine de ces Juifs d'Afrique du Nord. Et très tôt, me semble-t-il, m'est apparu ce qui est en somme une espèce de secret de polichinelle, à savoir qu'on a affaire à des populations qui sont exactement les mêmes que n'importe quelle autre population. Alors justement, commençons par un rappel ou pas. C'est selon d'ailleurs, la tradition veut que les Juifs d'Afrique du Nord descendent des Juifs de Judée, exilés après la destruction du Temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Bon, là, on a posé le tableau. Mais la question est posée, c'est comment a pu être possible cet exode? Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement un récit. On a le récit de cet exil donc après la destruction du Temple de Jérusalem en 70, du deuxième Temple par les troupes romaines de Titus. Mais on a un récit, mais on n'a pas de traces. C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace archéologique. Alors, on sait que le Temple a été détruit, évidemment, mais par contre, il n'y a aucune trace archéologique ni même d'ailleurs de témoignages contemporains de la période d'une telle migration massive. Alors c'est quoi la thèse centrale de votre livre? Alors la thèse centrale de mon livre, c'est que ce récit en fait est un récit mythologique. Alors Shlomo Sand avait, c'est lui le pionnier, hein, donc c'est lui qui avait développé cette idée. Comment le peuple juif fut inventé. Voilà, exactement, en 2008. Et donc un mythe, vous savez, c'est comme un espèce de scénario, je pense que Karim Moussaoui pourrait le confirmer, mais où les idées sont incarnées dans des personnages. Et en réalité, ce qui s'est déplacé tout au long de la ce foyer judéen oriental, ce ne sont pas une population, c'est une idée. Et cette idée, c'est le monothéisme et notamment sa version pionnière, c'est-à-dire judaïsante. Alors, vous nous apprenez notamment que les communautés juives étaient déjà à l'époque nombreuses dans tout l'Orient, Égypte, Libye, Babylone, Asie mineure également. Oui, avant 70. Avant 70. L'autre enseignement de votre livre, c'est en fait ce passé commun, cette civilisation qu'on pourrait appeler quoi, judéo islamique. Moi, je l'ai appelé civilisation. Alors, pour ce qui concerne l'Afrique du Nord, en tout cas, je n'ai eu aucune hésitation, je suis très fier d'ailleurs de ça, d'avoir appelé cette civilisation une civilisation judéo-musulmane. C'est-à-dire une civilisation où, évidemment, l'islam est dominante sur le plan politique, mais où les influences, les interférences sont nombreuses, et y compris les va-et-vient religieux. Mais avec entre quelle sorte, la langue? Et en particulier, effectivement, avec une langue, qui est la langue arabe, et qui va servir de liant entre les communautés, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes, pour ce qui concerne le Proche-Orient. Alors, il y a eu bien entendu la résistance à l'expansion chrétienne, puis à celle de l'islam, hein, de ces maghrébins juifs. La colonisation, en fait, a tout bouleversé. C'est là où il y a peut-être un tabou autour de cette question. Peut-être qu'effectivement, les hésitations tournent autour du fait que la colonisation, et singulièrement la colonisation française, a...
bouleverser cet ordre traditionnel. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que les relations entre les musulmans et les juifs avant la colonisation étaient un chemin parsemé de roses. Hein. Ouais. Mais disons que la colonisation, et singulièrement en Algérie, a creusé cette division parce qu'elle l'a inscrit dans un corpus juridique. Avec notamment le décret Crémieux. Alors avec le décret Crémieux et avec le code de l'indigénat, 11 ans plus tard, en 1881. Alors on va maintenant s'intéresser, puisqu'il en est aussi question dans votre ouvrage, hein, à la Kahina, princesse de Laurès du 7e siècle. Qui était-elle vraiment, la Kahina? Slimane Zeghidour nous en dit plus. Kahina. Aucune autre figure de l'histoire du Maghreb ancien n'est autant invoquée, exploitée, en un mot récupérée pour soutenir des causes actuelles. Des causes qui lui auraient sans doute paru bien étranges. Ceci est surtout vrai pour l'Algérie, où Kahina nourrit encore de sourdes polémiques. Au contraire de la Tunisie, où elle trône en bonne place dans le panthéon des personnalités qui ont tissé l'histoire du pays. Mais qui était-elle au fait? Il est très difficile de cerner sa véritable personnalité, qui reste embuée par un épais halo de légende. On n'est même pas sûr de son nom, Kahina étant le sobriquet que les chroniqueurs arabes lui ont attribué. Il veut dire la prêtresse ou la devineresse, celle qui sait prévoir l'avenir. Au vrai, on ne la connaît qu'à travers les récits des historiens arabes, le récit édifiant des envahisseurs qu'elle a combattus et qui l'ont finalement vaincue. Kahina, qui aurait porté le nom de Dihia, selon encore l'historien arabe Ibn Khaldoun, est entrée dans l'histoire après l'effondrement du pouvoir impérial byzantin en Afrique du Nord, lors de la prise de Carthage par les Arabes en 692. En réaction, Kahina aurait alors établi son quartier général dans le massif des Aurès, d'où elle aurait mené la vie dure aux envahisseurs avant de succomber sous leurs coups. Une défaite précipitée par des défections dans son propre camp. Sa figure ne fait pas l'unanimité. Ainsi, une statue érigée en son honneur à Ranchla, dans l'Est algérien, a été vandalisée en 2016. L'aura légendaire qui entoure la figure de Kahina, les incertitudes historiques quant à sa véritable identité et le caractère tragique de son destin ont inspiré et nourri pas moins de 14 romans, rien qu'en français. Un seul a eu pour auteur un Algérien. La Kahina, Julien Cohen-Lacassagne, Slimane l'a volontairement fait. Il vous laisse le soin de nous dire si la princesse Kahina était au départ chrétienne ou juive. Oui, j'ai pas vraiment tranché la question dans mon livre, mais quand même. Moi, je pense qu'il faut bien voir que à cette période, on est à la période où Byzance s'était emparé de Carthage, les troupes arabes arrivent, et Byzance avait installé le christianisme sur le littoral. Je pense qu'à cette période-là, il y a une grande porosité entre les monothéismes. Par contre, je ne trancherai pas pour dire si elle était totalement christianisée ou totalement judaïsée. Elle était peut-être les deux en même temps. Et par contre, elle dominait un espace où le monothéisme, qui était sans doute dominant, était plutôt marqué par l'influence judaïsante. Merci beaucoup. On va passer, chers invités, à nos coups de cœur de cette semaine. Karim Moussaoui, cinéaste qui est toujours à Alger, vous avez choisi la chanson The Weeknd, Blinding Light Music. Karim Moussaoui, vous m'entendez? C'est pour vous le tube de l'été? Oui, c'est une chanson en fait, que je viens de découvrir parce que je suis très peu connecté, je ne sais pas trop ce qui se passe en termes de production culturelle en ce moment. Donc en vrac,
J'écoute, je lis un peu de tout, mais cette chanson, disons, arrive à un moment où j'ai besoin de bonnes énergies. Ouais, de... C'est vrai que c'est des ondes positives. Merci beaucoup, Karim. Merci. Isabelle Sayabodis, qui était avec nous tout à l'heure, a choisi la grande écrivaine égyptienne Nawal al-Sadawi, 88 ans aujourd'hui. Elle a connu la prison sous Anwar al-Sadat et le parti unique. Elle est contre l'excision, pour la liberté, la dignité de la femme. Voilà ce que tenait à dire Isabelle. Julien Cohen-Lacassène, vous avez choisi, vous, la théorie du sacrifice de Patrick Thore chez Belin. Pourquoi ? C'est de grands spécialistes de Charles Darwin en France. C'est une théorie extraordinaire sur... comment se fait-il que certains aspects du vivant permettent, par exemple, comme les cornes du cerf, lui permettent de séduire des femelles, mais par contre, lui permettent de quand elles sont imposantes, les autres mâles. Mais par contre, ce sont des handicaps lorsqu'il s'agit de fuir un adversaire. C'est plus lourd. Donc, c'est extraordinaire. Hein, voilà. Ouais. Les livres de Patrick Thore sont toujours étonnants. Formidable. Merci beaucoup, Julien Cohen, Lacassagne, Berber Juif, donc édition La Fabrique. Merci, Karim Moussaoui, d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Je rappelle donc qu'on peut voir votre film Celle qui chante en ce moment. Et merci à Isabelle qui était avec nous tout à l'heure. Merci de votre fidélité à Maghreb Orient Express et à TV5 Monde.